Salut les Noven. Aujourd'hui, une vidéo que pas mal de gens attendaient, je crois. Je vais vous montrer ma technique pour faire les cercles de E d'épaisseur. Alors, pour ce faire, moi je vais travailler sur mes cercles de E et demi. Donc pour ceux qui ne savent pas faire un cercle de E et demi, ben je vous invite à aller voir ma première vidéo sur les cercles. Hein, pour gagner du temps, je vais pas la refaire. Hein. Donc on va dire qu'on va faire, on va essayer de faire celle-ci. On va essayer, on va faire celle-ci. Donc je sélectionne celui-ci, hop. On va aller chercher une autre couleur. Du bleu. Hop, je la remonte dans le vide. Après, toujours avec les cercles de l'ennemi. Donc c'est celui-là que je veux faire, on va monter de 2 et on va prendre ce cercle-là. Donc si on tire la ligne ici, on voit qu'on va tomber juste, on va pouvoir couper ce qu'il faut. Ouais, ce qu'il faut enlever. Mais bien sûr, il va y avoir des défauts, donc il faudra corriger ces défauts, quoi. Je copie celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre en béton foncé. On rentre dedans, on appuie sur Shift et on force. Alors comme vous voyez, ben, il y a 4 pièces qui manquent. En réalité, ce n'est pas 4 pièces à refaire, c'est 2 pièces. Que sur un quart, si on le divise en 2 avec la translation, ben, quand vous avez fait cette pièce-là, vous avez celle-là. Et pareil pour ces deux-là, quoi. Alors, opération suivante. Je vais chercher du blanc. Là, j'ai quoi ici? Aluminium blanc galvanisé. Ça, c'est bon. Ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va copier, on va sauvegarder. Hop, je monte de 2. On va sauvegarder toutes les pièces ici. Hop. Monter, ça ira mieux. Donc une fois bleu, une fois blanc. Donc là, ce sera bleu. Donc la suivante, ce sera blanc. Hop. Oups. Pas besoin de faire tout, hein, quand vous avez un mi-chemin, ben, on copie, translation, un blanc, parce que ce sera bleu au milieu, oups, blanc, bleu, et là je suis... Attends, couronne, je crois. Pour être sûr. Hop. On copie ça. On appuie une fois R. Parce qu'il est comme ce clavier là. On va appuyer sur celui-là. Hop. Une rotation. Voilà, on est bien. Voilà. Ça c'est sauvegardé. Après. On sélectionne cette pièce et on va la mettre tout de la même couleur, donc tout en béton. Ça, c'est pour se retrouver après. Et on va combler les trous. Alors pour combler les trous, on pourrait très bien faire, hop, là j'étais quoi, blanc, donc c'est bleu. On pourrait très bien mettre un bloc, mais le problème qu'on met un bloc, ben, ça ressort beaucoup trop, donc il y aurait beaucoup trop à se mousser. Et au risque de trop déformer, ça n'irait pas quoi. Donc ma petite astuce, c'est on prend la plus fine barre quoi. On va la mettre en bleu. Hop, l'autre elle est en bleu aussi. Tant mieux, hop. Vous voyez déjà, ben. Il y a beaucoup moins à se mousser quoi. Alors maintenant, on resélectionne le tout. On va se mettre sur le côté. Et on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours impair. Et 7, je les ai fait tous avec 7, ça fonctionne bien. Si on met 5 ou 3, c'est trop petit et ça va être... les étapes de smooth vont être trop fortes quoi. Après, on passe sur l'outil 4. Alors ici,
On ne prend pas la première ligne ni au-dessus, ni en-dessous, ni sur le côté. Donc on va prendre là et là. Et vu qu'on a déjà le point haut et bas, de l'autre côté, on va prendre juste la tranche là. On zoome une fois. On va allumer parce qu'on voit rien ici. Et on smousse une fois. Deux fois. Je vais faire au moins trois fois parce que je sais bien que pour la première pièce, je pense que trois ce sera bon. Vous allez voir que chaque cercle, en fait, ici, il manquait quatre pièces. Il y a de la chance où il y en a qui montrera que deux pièces. Il y en a, ce sera, il y en aura six. Et peut-être même certaines, c'est huit. Mais quand vous avez trouvé une pièce, c'est pas nécessairement que si celle-là est bonne, que celle-là est bonne. Il faut des fois encore smousser. Alors, hop, celle du milieu. Par contre, voyez, on ne sait pas la choper. Donc, on prend un bloc comme ceci. On recule de 1. On sélectionne ici. On n'oublie pas de faire backstab pour l'enlever. Et on vient voir ce que ça raconte. On la met. Et là, à mon avis, ce ne sera pas assez. Je sors du mode construct. On voit une légère petite bosse. Donc, il faudra smoother encore une fois. Parce que le problème, il y a une bosse là. Donc, du point ici au point là, ça fait un grand plat quoi. Donc ce serait mieux que ce soit smoussé encore une fois. Je pense que ce sera mieux. C'est déjà pas mal, mais non, non. Là, il y a la ligne là avec le raccord et puis là, donc c'est un petit plat et puis un grand plat. Donc il faudra encore un smooth pour celle-là. Donc on revient en arrière. On va aller voir quand même celle-ci. Celle du milieu, si elle est bonne ou pas. Ah, celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, elle est bien. Ok. Donc, on la remet au sol, on fait une fois R, et puis R, et on tourne. Hop. On a celle de l'autre côté. On retourne sur l'outil 4, et on avait dit qu'on allait smousser encore une fois pour le... Celle-ci, hop, on zoome une fois, on se mousse une fois, on a vu que ça a bougé. On va aller la sélectionner comme ceci, hop. Normalement, ça devrait être bon. Ok, ça m'a l'air bon tout ça. On voit plus le défaut dedans. Voilà. On va la mettre l'autre de l'autre côté. Une fois R pour la translation. Et si mon bouton ne déconne pas, hop, on la fait tourner. Et voilà. On vous avez votre quart de sec et quand on a le quart, et on a le cercle parfait, quoi. Et voilà, voilà la fameuse technique pour faire récupérer les pièces qui nous manquent. Ah, il faut avoir de la patience pour les faire tous, parce que j'en ai fait les bleus qui sont juste à voxel, les rouges qui sont à demi-voxel, et puis j'ai même fait ceux qui sont à un quart et trois quarts. Il faut les faire chaque parce que de là à l'autre, vous n'allez pas retrouver le triangle qu'il vous faut pour mettre dedans. Ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment. Ben, si vous ne voulez pas les faire tous, si je vous dis la priorité à faire, c'est ceux-ci, quoi. C'est les bleus. C'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Celui qui est relié juste avec un voxel, quoi. C'est les plus pratiques, quoi. Mais voilà pour ma technique. Je vais essayer de mettre aussi au point l'autre technique. Ce sera pour un autre jour, ça. Pour les faire en trois quarts, demi, quart et un huitième. Mais bon, je dois encore peaufiner, j'ai pas encore le temps de faire les tests, hein, comme j'avais déjà montré dans la. Je crois que j'avais déjà montré la première vidéo. Ici, c'est le demi. Ça va, visuellement, ça passe. On ne remarque pas qu'en fait, il est plus gonflé ici que là. Sur le quart, ça commence déjà à se voir plus. Alors sur le huitième, ça se voit quoi.
C'est fait, là c'est plus gros et ça ne va pas. Donc quand j'aurai peaufiné cette technique, je crois savoir comment la faire, ce sera au cours de vidéo, mais quand, ça je ne sais pas. Sur ce, petite parenthèse, là j'ai recommencé à faire des lives. Donc si vous voulez voir un peu comment je gigle voxel en live, vous êtes les bienvenus. Mon lien est en description. Et quoi d'autre? N'oubliez pas, petit commentaire, petit like. Like, c'est la récompense, hein. Ça fait plaisir. C'est bon pour le référencement. Vous connaissez la chanson, quoi. Et sur ce, chers Novéan, je vous dis à la prochaine.